Compte tenu des circonstances exceptionnelles que vit le pays, du fait de la crise institutionnelle et de la rébellion armée dans le Nord, qui ont gravement affecté le fonctionnement régulier des institutions de la République et dans l'impossibilité d'organiser des élections dans un délai de 40 jours, comme le stipule la Constitution, il s'avère indispensable d'organiser une transition politique devant conduire à des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national. Un Premier ministre de transition, chef de gouvernement, disposant de plein pouvoir ayant pour mission de conduire la transition, de gérer la crise dans le nord du Mali et d'organiser les élections libres, transparentes et démocratiques. Nous sommes parvenus à un accord qui permettra dans les heures et les jours à venir de mettre effectivement en place les organes prévus par la Constitution et qui fonctionneront de manière régulière. Le président Alassane Dramane Ouattara nous a informé que immédiatement il fera prendre les dispositions nécessaires pour que les sanctions qui avaient été adoptées contre le Mali soient levées. Toute la CEDEAO, comme un seul pays, se dressera contre le phénomène de l'insécurité et nous n'accepterons pas que le pays qui nous est cher, que le Mali, puisse connaître une division et une insécurité permanente.